Bonjour, en ce 31 août, une date un peu spéciale pour moi, j'avais envie de partager avec vous une recette qui est une recette de famille, pour ma famille, c'est le gâteau à l'orange. Alors, petite nouveauté, parce qu'à la rentrée, il faut toujours des nouveautés, on va parler de matériel en plus, comme ça, vous aurez tout le matériel à préparer avant chaque recette. Un pinceau, une marise, un fouet, une râpe, un moule à manquer, un moule à gâteau et un saladier et le four qu'on va préchauffer à 180 degrés. C'est parti. Cette recette, c'est une recette de famille. Je disais que c'est une recette un peu spéciale dans ce jour parce que c'est la naissance de mon fils. C'est une base de gâteau dans lequel vous pourrez faire pas mal de choses. On va beurrer le moule à gâteau et on va le sucrer. Voilà, on a 120 g de beurre. Voilà, on l'a laissé dehors, ce qu'on appelle le beurre pommade en termes professionnels. On rajoute 120 g de sucre, 120 g d'œufs. Si vous avez des gros œufs, c'est 2 œufs. Sinon, c'est un tout petit peu plus, donc il faut les peser. Contrairement à la cuisine, la pâtisserie, quand on fait des recettes de gâteaux comme ça, ça a besoin d'être assez précis. On n'a pas blanchi le beurre et le sucre, ça ne sert à rien. On a lavé une orange, on va prélever le zeste avec la microplane. Comme vous le savez, je préfère utiliser la microplane à l'envers. Comme ça, on ne prélève bien que le zeste et on ne prend pas de ziste. On a coupé l'orange en deux, on va presser. J'ai mis le baking powder, la levure chimique que vous avez chez vous, un sachet, ça fait 12 grammes. La farine, et là on mélange bien pour bien que la cuisson soit homogène. C'est une pâte qui est souple, d'ici là ça sent l'orange, elle est lisse, il n'y a pas de grumeaux. Voilà. On a préchauffé le four à 180 degrés, on met bien l'appareil au milieu et on n'en met pas sur les bords. Voilà, ça suffit. On se retrouve à la sortie du four. Le gâteau a refroidi, on va le démouler. C'est assez simple, normalement ça marche tout seul. C'est un gâteau qu'on trempera parfaitement dans du thé ou le matin au petit déjeuner. Allez, c'est un petit clin d'œil pour mon fils qui a son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire Antoine.